Hola! Bienvenue sur Chris and Cree. Moi c'est Chris Lane. Nouveau weekly vlog, c'est parti! Alors pour ceux qui me connaissent pas du coup, Chris Lane, 21 ans. Je fais des vlogs tous les week-ends. Tous les week-ends, une fois par semaine t'as le weekly vlog quoi. Et aujourd'hui on est du coup lundi 21 juin. Il est 14h et quelques. Il y a grève de transport, yes, on adore. Le train que je prenais d'habitude est supprimé, du coup je vais prendre celui qui est encore avant, sachant que j'arrivais quand même une demi-heure à l'avance avec le train que je prenais. Mais du coup, ben, avec grève, ralentissement de je sais pas quoi et tout, je sais même pas c'est pourquoi, je vais prendre le train plus tôt. Ce matin, j'ai gardé mon neveu, le temps que ma soeur aille faire encore des examens. elle était partie avec mon frère et tout, donc j'ai gardé mon neveu. Et du coup, j'ai pas pu aller à la salle. Je voulais aller ce soir, mais j'ai vu qu'il y avait grève. Et du coup, ça va m'agacer déjà d'être serrée. Donc je pense pas que je vais y aller ce soir. Je vais peut-être y aller demain, sachant qu'elle a un autre rendez-vous demain. J'espère pouvoir avoir la déter d'y aller le soir. Mais en fait, j'ai peur qu'il y ait trop de gens sur les machines et que ça m'agace. Et que dès le début de la semaine, je sois saoulée parce que trop de gens et j'aime pas trop ça. donc voilà. Poquito a poco, cuando tú me miras a los ojos, yo por ti me vuelvo loco, loco. Et c'est une fin de journée pépère, où je n'ai pas rencontré de pluie. je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir, le ciel est assez gris. La journée s'est plutôt bien passée. Longue journée, mais ça va, honnêtement ça va. Mais on est que lundi quoi. Voilà, je vous ai pas du tout pris, je sors du taf. Et ce matin, bah, j'ai gardé mon neveu, je l'ai déposé chez une copine, à ma soeur, pour faire une petite adaptation le jour où elle accouche, t'as capté. Ça ? C'était jouet ? C'était jouet ? Quoi ça ? C'était jouet ? C'est la voiture ? Ou la tortue ? Ah, c'est la tortue ? D'accord. Et là, ben, direction le sport. Ça va le faire, Chris. On se motive. C'est vrai que j'ai pas vraiment pris le temps ce matin de vous prendre. Franchement, j'étais là en mode attends, faut que je la dépose à 14h. Nanana. Bon, faut le laver, faut le préparer. Bref, go la salle. Hello, bien arrivé à la salle depuis un petit moment. J'ai pris mon temps pour me changer. Il y avait du monde au vestiaire. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de monde depuis que je suis retournée à la salle. Et voilà, je vais faire ma séance, j'espère que ça va aller, que je vais quand même réussir à faire quelques trucs, même si on est le soir, il est genre 20h15. Voilà, c'est pas chill. Je vous présente la meilleure dégaine post-entraînement. Bon, je vais pas remettre mon jogging parce que flemme, bref, j'ai fait une séance jambes finalement. Je voulais faire une séance haut du corps, mais vas-y. Il y avait trop tous les gars là-haut, flemme d'attendre les machines, etc., demander flemme. Or que j'avais vu que personne ne faisait les jambes quasi, donc j'ai fait les jambes ce soir et ça va, ça a été. Il n'y a que deux exos que j'ai pas fait, parce que j'avais pas envie de remonter non plus, faire les squats, la presse. Or qu'il y avait toujours d'autres gens en bas qui faisaient les jambes et qui, voilà, flemme. Je vous jure, j'ai l'impression des fois les gens font toujours la même chose, enfin bon. Sur ce, de toute façon j'ai le temps de vous parler, le bus n'est pas tout de suite, je suis allée un peu vite là, mais j'ai très envie de dormir, je suis fatiguée. Mais je vais quand même pas tarder à sortir histoire de marcher tranquillement, et voilà. Demain aussi je vais au sport pour le body pump, et ça c'est cool. Bon, on se retrouve demain les gars, je suis arrivée à ma maison, et elle me fatigue, yes. Hop, ça va du tout. Enfin bon, ciao. On est mercredi 23 juin, il est 15h et quelques, et je me dirige au taf. C'est parti, motivé.
Je rigole, c'est bon, j'arrête mes bêtises. Quand il fait gris comme ça, il fait pas très beau, menace de pluie, il n'y a plus personne au parc. Et ce n'est pas pour me déplaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, j'ai fini de regarder Elite tout à l'heure. Maintenant, j'ai envie d'avoir la suite, tu vois. J'ai fini toutes mes séries, je crois. Là, j'ai tout regardé. Hein. Maintenant, il faut que je réfléchisse à ce que je regarde. Si vous avez des suggestions de séries, n'hésitez pas. Et là, je vais continuer à lire. Et voilà. Éclaté. Ça y est, je rentre. Il y a foot. Et je pense qu'on se dit à demain. J'ai déjà raté le match. Lloris a eu un carton jaune. Je n'ai pas compris. Faut qu'on m'explique là. Hello. On est le 24, je crois, juin. Quel jour? Jeudi. Dernier jour pour moi. Demain, je ne travaille pas. Yes. Hier, on s'est quitté. J'ai allé regarder le foot. C'était un match assez fou. On a fini sur un nul et on est premier de notre groupe, donc c'est cool. Mais vas-y, que des pénalties. Bref. Hier, au parc, avec les enfants, on a joué. Ils m'ont sollicité. Et c'était, mais waouh, ça m'a fatigué un peu, tu vois. Parce qu'il faut surveiller. Il y avait les deux petits que je garde et leurs copines. Et on a joué à maîtresse, ogre, caché, je sais pas quoi. Non, mais c'était un délire. Et voilà. J'ai reçu un message de la maman. Sinon, ce matin, j'ai dormi jusqu'à 10h30. Fait rare. J'ai été vraiment KO du sport et de toute cette journée, franchement. Je crois que c'est la première fois de la semaine que je vous prends le matin. Cette semaine, c'était vraiment... Je sais pas. Enfin bon. Et en plus, il se passe des choses aussi à la salle et tout. Il y a une réunion samedi, mais je vais pas y aller parce que je suis déjà occupée. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Samedi, je suis occupée, du coup, je vais pas aller. Mais bref, je suis dans le groupe que les gens ont créé pour faire leurs revendications à la salle, apparemment. Bon. Après, moi, ça fait depuis 2019 que je suis là-bas, mais vraiment, j'y allais vraiment que le mercredi et j'ai que un coach fave. Les autres, je les connaissais pas. Je sais qu'il y a des soucis. Bref, il y a plein de petits problèmes que les adhérents vont revendiquer, du coup. Et on voit. On verra. Enfin bon. Je vais répondre. Je vais écouter les audios du groupe qui ont envoyé ce matin. Et voilà. Hola, on est vendredi 25 juin, il est 13h30, j'espère que vous allez bien. Rapidement, hier j'ai reçu du coup mon trépied, nouveau trépied de la marque Kodak, de la marque Kodak, et ça va, je suis satisfaite et il me sera bien utile pour vlogger. cette semaine j'étais vachement fatiguée quand même, j'étais fatiguée. Une fatigue étrange. et je vous dis d'ores et déjà que normalement demain je me fais coiffer par Zita qui m'avait déjà fait ma précédente coupe. Donc je vais arrêter le vlog aujourd'hui, enfin ici aujourd'hui. Et je pense que vous verrez la coupe sur Instagram et sur Snap en premier. Et normalement je compte faire une vidéo YouTube comme la précédente. Si tu l'as pas vu avec Zita, je la remets juste ici. c'était ma première coupe avec un mèche. Et là, je vais en faire une autre qui me fera sortir de ma zone de confort, guys. Ça va me faire bizarre. J'ai pas du tout l'habitude. Déjà, j'ai pas l'habitude des mèches, de une. Et de deux, ce que j'ai choisi. Enfin bon, voilà. Et on verra ce qui se passe dans les prochains jours, vous verrez. Et voilà, même si je sais pas ce que rend ce vlog, mais j'espère que ça passe. Et moi, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, légèrement plus en forme, j'espère. Et voilà, je fais des bisous. Oh my God.